Depuis le Royal Palace à Kirchwiller en Alsace, bienvenue dans le Grand Concours des Régions. Quel sera le meilleur chant folklorique de France? Pour le Grand Est, la maîtrise Saint-Philomène de Haguenau. On est chez eux, ils sont 57 à venir chanter, dont 45 enfants, et ils vont nous offrir une des plus belles traditions alsaciennes, la magie de Noël avec Scholf min Kindle, qui se traduit, car je suis bilingue, par Dors mon petit enfant. Découvrons cette maîtrise hors norme qui représente donc le Grand Est. Nous sommes dans une école maîtrisienne, qui est une véritable structure, comme un sport-étude. On travaille le matin à l'école et l'après-midi, on y suit des cours de formation musicale, de déchiffrage, de technique vocale. Pour ce premier passage, nous allons vous interpréter un chant qui s'appelle Scholf min Kindle, ce qui va vous transporter dans la féerie de Noël. Et tout d'un coup, l'œuvre, elle est inédite, elle a été composée par un compositeur alsacien qui l'a écrite exprès pour le chœur que vous allez entendre. Le chant parle d'une berceuse. Lorsqu'une mère prend son enfant et qu'elle le berce, je vous garantis que le dernier moment où il commence à s'endormir, elle fait pas un pet de bruit. Premier son, on doit comprendre que c'est une berceuse. Faire chanter 50 élèves en même temps, il faut entendre un chœur qui chante et non un assemblage de voix. On s'amuse énormément. Et moi, ça me fait déjà plaisir d'être en groupe. Et si on gagne le concours, ce sera ouais. Sur le gâteau. Et tout le monde est debout pour acclamer le Grand Est. La maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau. Bravo à tous. Bravo à Nicolas aussi, le chef de chœur, qu'on peut applaudir bien fort. Qui est le plus jeune? Le plus jeune, c'est Léandro.
Léandro là-bas, hein, c'est ça. Attends, quand, Léandro, je voudrais quand même que tu nous dises un petit mot. Qu'est-ce que t'as ressenti ce soir là quand tu vois justement tout le Grand Est qui est debout pour toi et pour tous tes camarades? Bah, je trouve que c'est intéressant et... Intéressant, tu dis ça comme ça. Je trouve que c'est bien qu'on puisse se retrouver entre avec toutes les régions de France et tout ça. Et pour défendre le Grand Est, c'est ça. Et vous aviez un truc formidable, c'est que vous aviez tous un sourire sur votre visage quand vous chantiez, c'était merveilleux. Et j'ai vu des yeux un peu mouillés du côté de Vincent Niclot, par exemple. Donc j'ai l'impression que en termes de notes, on est sur du 20 sur 20, là, non? Ah oui, oui, moi, ils sont venus me cueillir, évidemment. C'est la terre de mon enfance. Ma grand-mère était alsacienne. Et donc... Dors mon enfant, ben moi vous m'avez fait rêver, vous m'avez fait dormir et vous m'avez fait rêver, bravo. Et ma grand-mère disait toujours, oh yes Scott, et ben moi je vous dis, oh yes Scott, comme c'est beau, comme c'est beau. C'était magnifique. Magali. C'est parfait, parce que la technique est là, l'émotion aussi, les nuances, magnifique. Et il y a quelque chose qui est magique, c'est que Léandro, j'ai entendu ta voix. On entend une seule voix et en même temps chacune des voix. Et ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Et je voudrais vous dire bravo Nicolas, parce que vous leur apprenez le solfège en chantant. Et pour moi, c'est la plus belle et la plus efficace façon d'apprendre à lire la musique. Et le retour de Nicolas. Nicolas, rebonsoir. Le public est à vous de convaincre les téléspectateurs et les jurés de vous attribuer le trophée du meilleur chant folklorique de France. Alors, le chant qu'on va vous interpréter ce soir est un chant qui vient du XVIe siècle, c'est un chant folklorique alsacien. C'est une version toute nouvelle, composée par le compositeur alsacien Bernard Linhart. Et si vous voulez, ce soir, c'est une manière aussi de découvrir notre cœur à travers une mélodie. Donc, c'est une mélodie qui parle d'amour, comme on a pu en parler tout à l'heure. Mais vous entendrez en fait toute la palette du cœur. C'est un peu une Alsace poétique qu'on vous propose ce soir, avec plein d'émotions. Merci Nicolas, je vous laisse vous mettre en place avec toute la maîtrise. Je vous rappelle, 57 chanteurs sur scène pour défendre les couleurs du Grand Est. C'est à vous. Le Royal Palace est debout. Bravo les Alsaciens. Bravo le Grand Est. Et merci de nous transmettre autant d'émotions pour la deuxième fois ce soir. On va écouter Magali pour commencer. Magali, qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième prestation de nos jeunes Alsaciens? Eh bien, j'en ai pensé que la présence de l'accordéon qui apporte quelque chose de plus entraînant n'enlève en rien à l'émotion reçue et c'est parfait. C'est très, 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 très beau. Bravo. André, je sais que tu as été touché, je le vois. Je vais vous faire une confession, c'est un peu mes chouchous, mais alors, je vais essayer de décortiquer. Ce qui était magnifique, c'était la mise en scène musicale. On commence avec une voix soliste d'une pureté incroyable, et puis ensuite, il y a les enfants qui répondent, et puis ensuite, à la fin, il y a les vieux qui sont là-haut. Ils vous loupent jamais, hein.
Non, et pour finir, tout le monde chante ensemble, encore une fois, avec des harmonies merveilleuses. C'était une petite mélodie, une petite comptine, une petite ritournelle, mais qui nous remue parce qu'elle est tellement bien exécutée. C'est une ritournelle qui nous élève vers l'espace. Et moi, je vous dis merci. Merci et vraiment bravo. Comment tu t'appelles, toi, par exemple ? Zora Seni. Est-ce que tu as pris du plaisir ? Oui, beaucoup. Est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez donné ce soir ? Oui. Alors, est-ce que vous allez gagner le Grand Est ? Oui ! C'est ce qu'on va vérifier dans quelques minutes. Je vous laisse regagner les coulisses. Merci à la maîtrise du Grand Est et rendez-vous tout à l'heure pour le verdict. En attendant, pour vous aider à y voir plus clair, revoici les 10 troupes qui ont défilé sur la scène depuis le début de l'émission. Que lance les rossignols, les Bourgognes est une merveille, et chauffer à gaillardie. On est content, Paris est glorieux, et ça au ghetto de mort, c'est notre chemin, ça va. Le meilleur chant folklorique de France est remporté par le Grand Est et la maîtrise Saint-Philomène de Ragno avec ses 57 chanteurs dont 45 enfants. Venez là les Alsaciens, venez là. Et on applaudit bien fort la Corse aussi qui se classe deuxième du classement. Toute la maîtrise nous rejoint sur scène. Et c'est Nicolas, le chef de chœur, qui récupère le trophée de ce grand concours des régions. Bravo l'Alsace! Le Grand Est remporte ce grand concours. Est-ce que vous êtes heureuses les filles? Ben regarde, faut pas pleurer comme ça. Comment tu t'appelles? Emma. Emma, vous êtes heureuses, vous êtes fières de vous. Toute l'Alsace peut vous applaudir. Bravo Nicolas, bravo à toutes les régions.